La médaille miraculeuse. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En avril 1830, Catherine Labouret entra au séminaire des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, rue du Bac, à Paris. Dans la nuit du 18 au 19 juillet de la même année, elle eut une vision de la Vierge Marie qui lui dit « Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Vous aurez bien de la peine, mais vous vous surmonterez en pensant que vous le faites pour la gloire du bon Dieu. » Le 27 novembre suivant, Catherine eut une nouvelle vision de la Sainte Vierge. Vêtue de blanc, toute belle, debout sur une boule, foulant aux pieds un serpent, et portant une boule plus petite dans ses mains couvertes de pierres précieuses dont jaillissaient des rayons. « Cette boule que vous voyez, dit-elle à Catherine, représente le monde entier, et chaque personne en particulier. Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes me les demandant. Les pierres qui ne jettent aucun rayon symbolise les grâces qu'on néglige de demander. » Puis, autour de la Vierge, apparurent en lettres d'or ces paroles. « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Catherine reçut alors la mission suivante. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. » Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. Ce n'est qu'au début de 1832 que le confesseur de Catherine osa parler de ces événements à l'archevêque de Paris, lui faisant part notamment des plaintes de la Sainte Vierge parce que la médaille n'était pas encore frappée. Compréhensif, Monseigneur Quélan donna son accord pour que la médaille fût réalisée. Non seulement il eut le privilège de bénir les premiers exemplaires, mais le Seigneur lui fit encore la grâce d'être témoin du premier miracle. D'autres allaient bientôt suivre: conversion, guérison, délivrance. Et les fidèles ne parlèrent plus de cette médaille que sous le titre de médaille miraculeuse. L'un des miracles qui eut le plus de retentissement fut la conversion du juif Alphonse de Ratisbonne le 20 janvier 1842. C'est Alphonse qui criait haut et fort « Je suis juif et je mourrai juif ». Un ami avait néanmoins obtenu de lui qu'il portât au cou une médaille miraculeuse et récita matin et soir le « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie ». Entré dans une église, il vit, debout, sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie telle qu'elle est sur ma médaille. Une force irrésistible m'a poussé vers elle. Sa conversion fut radicale, et c'est comme prêtre qu'il mourut en 1884. Très vite, des médailles furent frappées par milliers et expédiées dans de nombreux pays à la grande joie de Catherine, qui mena une vie cachée jusqu'à sa mort le 31 décembre 1876. L'Église la canonisa en 1947 et son corps est conservé intact dans la chapelle des Apparitions à la rue du Bac. En 1894, le pape Léon XIII institua la fête de l'apparition de la Vierge Immaculée et de la médaille miraculeuse, et la fixa au jour de l'apparition, le 27 novembre. Saint Maximilien Marie Kolbe, mort martyr à Auschwitz en 1941, fut l'un des grands propagateurs de la médaille miraculeuse qu'il appelait ses cartouches contre le démon. Encore aujourd'hui,
la médaille connaît une diffusion extraordinaire et les grâces promises ne cessent pas de pleuvoir. La verre de la médaille représente Marie, debout, bras détachés du corps, mains ouvertes, étendues vers la terre en geste d'offrande. Le serpent, écrasé sous les pieds de Marie. Des rayons de lumière sortent des mains de Marie, symbole des grâces obtenues par son intercession. La prière qui entoure Marie est recommandée pour obtenir des grâces matérielles et spirituelles. 1830 est l'année des trois apparitions successives de la Vierge Marie à Catherine Labouré. Le revers de la médaille représente la croix, qui est le signe chrétien par excellence. Elle fut l'instrument du salut du monde. La lettre M au pied de la croix, qui signifie la participation de Marie à la passion de son Fils. Les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. La femme de l'Apocalypse, figure de Marie, ayant sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Le cœur, encerclé d'une couronne d'épines et surmonté de flammes, celui de Jésus, son amour et sa souffrance pour l'humanité. Le cœur transpercé par une épée représente celui de Marie, tel que l'avait prophétisé le vieux Siméon. Prière contre les problèmes d'argent. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur,
car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus.
J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie,
au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ses mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère
et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ses mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière, au nom de Jésus.
par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins
selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté, se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards, et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Psaume pour la chance. Psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis, taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice. Et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie
qu'ils n'en ont qu'en abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors, ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Psaume 57. Ne détruis pas, hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut. Ô Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux. Ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits.
ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Celui qui habite aux extrémités du monde s'effraie de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations environnées, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temples des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel.
nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 44. Les fils de Coré. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Il confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses. Tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.